Donc je me présente, Eric Fréchon, le chef consultant du Mini Palais. Je vais vous représenter une autre recette un petit peu emblématique aussi, qui est le burger de canard au foie gras. Donc en ingrédients, il nous faut donc un magret de canard, du foie gras de canard frais, un pain hamburger, des pommes de terre, du sel, du poivre. Dit hamburger, dit forcément une viande hachée, donc hachée au couteau toujours. Donc là, on enlève le nerf. Ensuite, on va enlever le gras. Donc là, je vais le tailler en dés. Je prends donc un morceau de foie gras de canard que je taille aussi en dés et que je vais mélanger à la viande. On mélange le foie gras avec le magret. En fait, c'est le foie gras qui va vraiment nourrir la chair du magret de canard et qui va la parfumer. Donc là, on le met dans un cercle pour bien le former et pour avoir juste la quantité suffisante. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est récupérer donc cette fameuse peau de canard de manière à ce qu'elle rentre son gras pour pouvoir cuire la viande dedans. Ça lui amène encore le goût de canard supplémentaire. Donc on va commencer par cuire la pomme de terre. Donc là, pendant que ma rosace de pomme de terre cuit gentiment, je vais assaisonner mon burger de sel et de poivre. Et j'assaisonne mon foie gras de la même manière. Donc maintenant que ma pomme de terre est lancée, je vais pouvoir lancer mon burger. Alors bien saisi, hein, on le voit, ça crépite bien. Je mets mon foie gras. Alors ce qui est bien, c'est que tout ça dans la même poêle, on a le goût du foie gras, on a la pomme de terre, c'est pas la cuisine fusion. Hein. Donc là, je vais pouvoir poêler aussi mon pain. Donc là, c'est pareil, il va s'imbiber bien des odeurs et du gras du foie gras. Donc là, je mets mes pommes de terre. Donc le burger de foie gras, donc le magret coupé avec le foie gras, cuit bien sûr saignant, et le foie gras, la tranche de foie gras poêlée. Alors avec le burger, bien sûr, il y a l'accompagnement. Non, c'est faux, puisqu'il y a la pomme de terre qui est un accompagnement, et à côté, effectivement, on met une petite salade.